Au deuxième jour de cette grande campagne de destruction des hôtels au ministère Amin Barumbu, le jeudi 18 mai, c'était le kit d'impactation par l'onction de Dieu à travers le fils de l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo, le pasteur Moïse Tatukila. Pendant ses déclarations, le pasteur Moïse dit « Le monde spirituel est un monde d'impactation qui peut être positive venant de Dieu et négative venant du diable. L'impactation s'opère de deux manières, soit avant la naissance ou après la naissance. Dieu peut impacter des hommes ou des animaux. Il souligne en disant que l'homme qui est impacté est capable d'impacter aussi les autres. Le diable est comme imitateur, il opère aussi de la même manière. Lorsqu'il impacte un homme, il change son cœur et ses pensées pour expirer le mal. À nos jours, Dieu a impacté l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo de son onction pour faire des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Et lui a impacté le pasteur Moïse en son tour. Dieu peut impacter un homme. Cet homme qui est impacté a aussi le pouvoir d'impacter d'autres personnes. Je te donne un exemple. Dieu a impacté l'apôtre Léopold. Cette impactation a changé complètement, totalement sa nature. L'impactation change la nature d'une personne. Non seulement Dieu te voit, il voit aussi ta santé, il voit aussi ta femme, il voit aussi ton mari, il voit tes affaires, il voit tes études. La chose qui est à toi sera impactée. Aujourd'hui, Dieu t'impacte pour que tu te livres face aux sorciers que le diable a impacté pour les détruire. Et le peuple des Barumbu, impacté de cette onction, a détruit tous les représentants du diable dans leur famille.